Good morning, Aleiden. Les titres aujourd'hui, le Nishmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Chana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, ainsi que l'Irfuat, Avraham Mori ben Reut, Petor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perikret, Mishnah Bet. Kodashim, ba Kodashim, Min Bemino. Zeikrav Leshem Mishéhu, ve Zeikrav Leshem Mishéhu. Kodashim ba kodashim min beshen o mino iru ad sheistavu veimacheru veavi bidme ayafa shebahen mi minze ubidme ayafa shebahen mi minze veyafsid amotar mi beto nitarvu bivchor vemaaser iru ad sheistavu veyachelu kivchor uchmaaser hakol yecholin leitarev chutz min hachatat umin haasham. On continue avec la lachot des mélanges de korbanot. Soit, on avait déjà commencé avec dans la Mishnah précédente, des zvachim qui se sont mélangés avec des behemot roulin, des korbanot qui se sont mélangés avec mon troupeau profane, personnel, qui sont mélangés, comment me conduire selon le cas. À présent, on va commencer à parler qu'il y a eu des korbanot qui se sont mélangés dans d'autres korbanot, différents cas de figure. On va parler ça un peu, tout le sujet. Ce perek dans le chasse, quand vous verrez, par exemple, des fois, Tosfot, il mentionne de Beperek Ataharuvet. Sans préciser quoi, Beperek Ataharuvet, c'est ce Perek-là, Perek Chet de Zvachim, on parle que des Taharuvet. Donc, ça s'appelle le Perek Ataharuvet. Donc, maintenant, dans notre Mishnah, on va parler de Kodashim, Bekodashim, des Korbanot qui se sont mélangés au milieu d'autres Korbanot. Comment se comporter? Ouais, imaginez. Alors, justement, pour le moment, la Mishnah va parler du cas où c'était Kodashim, Bekodashim, Min, Bemino. Une béma sainte dans une béma sainte, sanctifiée, qui était min bémino, une espèce dans une même espèce. Des holotes avec des holotes. Moi, j'avais ma propre hola qui s'est mélangée avec votre hola. Il y avait comme ça 5 holotes qui étaient, elles se sont toutes mélangées, on ne sait plus qui est la hola de qui. Ou encore des shlamim, ou encore des hachamot, et même des chataot, même, c'est le même principe. Alors la Mishnah m'enseigne, ben, c'est très simple. Zeikrav leshem mishéhu, mais zeikrav leshem mishéhu. Le Kohen prendra ses korbanot et leur fera la shrita en disant celui à qui ça appartient s'acquitte de celle-ci. On avait par exemple, on va prendre pour le moment un cas où il y avait 3 holot qui étaient mélangées, Maola, la vôtre et celle de Reuven, elles se sont mélangées. Ben le Kohen il va dire bon, celui à qui ça appartient, il s'acquitte. Baruch ata Hashem al Gan Olam, à la Shritat Kochim, et il commence, il est Shochet, il fait Kabbalah, Zrika, Olacha. C'est pas la peine de penser à qui ça appartient concrètement, il suffit de penser ce qu'on appelait le Stama Lishma. Il pense Stam, à qui ça appartient, on s'acquitte de la sorte. D'accord? Telle est la Mishnah telle qu'elle est écrite. Maintenant, il y a un problème technique. C'est que pour plusieurs Korbanot, il faut faire la mitzvah de la Smicha. La Smicha, c'est qu'on prend le Korban, et qu'on, avant de l'égorger, le propriétaire doit appuyer de toutes ses forces. Et quelque part, c'est une manière de dire que les fautes qui sont sur moi, je les fais passer sur sa tête, et lui, il va partir en capara, et puis moi, je vais continuer à vivre, Bezrat Hashem. D'accord? C'est le principe de faire la smicha. Il faut appuyer de toutes ses forces pour faire la smicha. La smicha, c'est s'appuyer. Or, je ne peux pas, moi, faire la smicha sur un korban qui n'est pas le mien. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux. J'ai pas le droit d'utiliser un korban. Il y a une halakha, on n'a pas le droit de tirer profit d'un korban. Imaginez qu'on a une hola et que ça m'arrange de lui mettre pendant qu'on est en train de marcher dans la rue, j'ai envie de mettre mon sac sur sa tête. J'ai pas le droit de tirer un profit d'un korban. Selon le même principe, faire la smicha, s'appuyer de toutes ses forces, ça s'appelle qu'on est en train d'utiliser un korban. En théorie, on n'a pas le droit de le faire. La seule dérogation donnée, c'est quand c'est mon propre korban. C'est ma mitzvah, donc je le fais. Mais là, on a un problème. C'est si je me retrouve avec 3 holotes mélangés, ou 3 shlamim, par exemple, d'accord, où il faut faire dessus la smicha avant de l'égorger, j'ai un problème. C'est que si ce n'est pas ma hola, je ne pourrais pas lui faire la smicha. Partant de ce principe, la Mishnah, la Gemara explique qu'en réalité, cette Mishnah, on parle que c'était des holotes et des shlamim de femmes. Les femmes n'ont pas la misère de faire la shlima. Bnei Israël v'samchou, velo bnot Israël v'samchou, c'est rapporté dans le Bev. Bnei Israël v'samach. Ouais, on apprend d'une juxtaposition et a marqué un passage qui se vient avec le mot Bnei Israël et l'autre passage qui commence avec Vesamar, on apprend Bnei Israël Vesamar, Velo Bnot Israël Vesamar. Donc une femme n'a pas besoin de faire la smicha. La Gemara explique qu'effectivement, on parle ici de korbanot de femmes.
ou de korbanot, par exemple, il y a pas de mitzvah de smicha, il y a quelques exceptions à la règle, on ne fait pas de smicha avant de faire le korban. Mais dans un korban dans lequel il faut faire la smicha, on ne pourra pas égorger le korban sans faire la smicha auparavant. Ouais, même si on n'est pas obligé en théorie de le faire, il y a des raisons. On ne va pas trop allonger. Si on égorge un korban sans faire la smicha, on s'est quand même acquitté. Mais là, a priori, d'aller les égorger, on ne le fera pas. De ce fait, on ne pourra pas apporter les korbanes et on va devoir se conduire comme la Mishnah va nous l'enseigner s'il s'agit de korbanot d'homme. D'accord ? Regardez, c'est vite fait, c'est dit dans Bartenora. Dans le Yakriv, Kol Echad, le Shem Ishu, Velo Yazkir, Shem Adam, qui ne mentionne pas le nom de qui, va némine be korbanot shel Nashim, de Loba ou Smicha. On parle uniquement de korbanot de femmes qui n'ont pas besoin de faire la Smicha. Dirti ben Israël, Samar. Ben Israël, son prime, ben Minot, Israël, son prime. Aval be korban anashim de Baou Smicha, lo. Par contre, des korbanot d'homme. Des Baou Smicha, où il faut faire dessus la Smicha, s'appuyer dessus, non, on ne pourra plus les apporter. Ok, on passe maintenant au deuxième cas de figure de la Mishnah. Kodashim be Kodashim min beche'eno mino. On parle qu'il y a eu cette fois-ci un mélange de korbanot, certes, mais de korbanot qui étaient d'espèces différentes. Des shlamim dans des holot. Or, vous savez très bien, maintenant, depuis qu'on a fait le perek Chamishi, on s'en souvient, chichi, je ne sais plus, bref, le korban ezum, comme un shalim, ou c'était au perike, où là-bas on apprenait qu'un shlamim, alors il est mangé pendant 2 jours, il y a une part pour les kohanim, une part pour les béné Israël, pour le propriétaire, tandis que là, on doit l'offrir entièrement pour Hachem. Alors imagine, on doit faire monter tous les membres sur le misbéach pour Hachem. Alors imagine maintenant qu'on a eu une ola qui s'est mélangée dans 2 shlamim, qu'est-ce qu'on fait? On est embêté, on ne peut plus les égorger stam. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Je la fais monter sur la misbéach, je la donne à manger au kohanim, qu'est-ce que je fais? Je vais partir la détruire parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est aussi un problème. En mevin kochim les bêtes absoul. Souvenez-vous de cette phrase qu'on réutilisera plusieurs fois. A priori, on ne fait pas en sorte que l'on va devoir apporter des kodashim, des sacrifices, aux bêtes absoul, à l'endroit où on brûle tous les kochim parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on est bloqué. On n'a pas le droit de faire ça a priori. On est en train de détruire un kodesh. De ce fait, si on a eu un kodashim, mais kodashim, min meshe nomino, des kodashim, donc une ola qui s'est mélangée avec 2 shlamim, qui sont donc 2 espèces différentes, la Mishnah nous dit, ben tu sais quoi, irao ad sheistahavu. Tu les feras paître jusqu'à qu'ils vont être répugnés, littéralement, ça veut dire, tu les feras paître jusqu'à qu'ils vont avoir de nouveau un moum, un défaut, par exemple, un qui va se couper l'oreille, que chacun va se couper l'oreille, et que dans ce cas-là, tu ne pourras plus de toute façon les faire en korban. Maintenant, tu as le feu vert pour pouvoir les racheter, et donc tu vas devoir les racheter. Donc imaginez, je traduis d'abord, après j'explique la petite feinte qu'il y a. Vimacheru, donc Iru Achistavu, il va les faire paître jusqu'à qu'ils vont être repoussés, rebutés, parce qu'ils vont avoir un défaut. Vimacheru, et donc il va les vendre. Veyavi bidmea yafeshebaen miminze, ou bidmea yafeshebaen miminze. Et il apportera avec la valeur du plus cher des 2 ou des 3 de cette espèce, et de la valeur du plus cher des 2 de cette espèce, Veyafsida motar mibeto, il va perdre le supplément de sa maison. De quoi on parle? C'est très simple. J'avais un mouton shlamim et un mouton ola qui se sont mélangés. Je ne sais pas qui est la ola, qui est le shlamim. Je suis bloqué. La Mishnah me dit, ben, tu les fais paître jusqu'à qu'ils vont avoir un môme. Mais imaginez maintenant, lorsque je vais vouloir les vendre, il y en a un qui va coûter 1000 shekels et l'autre qui va coûter 1500 shekels. Or, à qui revient les 1500 shekels? À la caisse des holot ou à la caisse des shlamim? La Mishnah me dit, mais tu sais quoi? Tu les vends les 2. Et tu prends le plus cher parmi les 2 et tu vas prendre la valeur du plus cher parmi les 2, l'argent que tu vas récupérer, tu l'apporteras, de là tu vas acheter une hola et tu prends l'autre somme, les 1000 shekels qu'il y avait, tu rajoutes sur ça de ta maison, mi beito, de ta maison, tu rajoutes encore 500 shekels supplémentaires et tu achètes le plus cher. Pourquoi? Le principe, il est très simple. Il n'est pas question qu'à cause de ton étourdissement, tu vas faire perdre ce qui revenait au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash devait avoir peut-être une très belle ola qui coûtait 1500 shekels, tu ne vas pas lui amener une ola qui coûte 1000 shekels. Tu vas prendre l'argent, tu vas prendre les 1000 shekels, tu rajoutes de ta poche 500 shekels et tu vas acheter une belle ola. Et idem aussi avec les shlamim, il n'est pas question de faire perdre les shlamim. Donc, c'est ce qu'on appelle la yafé shebaen, le plus cher parmi les 2. Tu prends la valeur du plus cher parmi les 2, tu dois apporter pour chaque espèce qui a eu l'embrouille, le mélange, tu dois apporter une hola qui coûte 1500, une shlamim qui coûte 1500, donc tu rajoutes de ta poche. Ok? Troisième cas de figure maintenant, c'est nit arvu, bivchor ou vema aser,
Alors, il y a deux corbanotes particuliers qui sont le Bechor et le Maaser. Le Bechor, c'est l'aîné. Et il y a une halakha de donner le premier-né des moutons, des vaches, d'accord, de chaque espèce, quoi, et des chèvres. Tu dois les apporter en faire un corban, mais c'est pas toi qui les apportes. Tu dois le donner au Kohen. Le Kohen, lui, il s'occupe de faire le corban, de verser le sang comme il faut, et puis après, il a le droit de manger, lui, tout seul, toute la viande. Ok ? À part quelques petites... D'accord ? C'est lui seul qui mange la viande sans faire partager avec le propriétaire. Le maaser, alors là, ça t'appartient à toi. Tu dois, si tu as eu 10 nouveau-nés dans ton troupeau cette année, eh ben, tu comptes 9, et le 10e, il a une gdushat maaser, tu dois le porter au Beth Amikdash, tu verses le sang mesmer, et toi, tu le manges entièrement. Ok ? C'est clair pour le moment ? C'est quoi un bechor ? C'est quoi un maaser ? Maintenant, il y a une halakha particulière, qu'un bechor ou un maaser, on ne les rachète pas, on ne transfère pas leur gdusha. S'il y a eu un problème qui s'est passé que tu ne peux pas l'apporter, tu ne peux pas l'offrir, alors qu'est-ce que tu dois faire ? C'est très simple, tu le laisses paître jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut, et ensuite, tu auras le droit de le manger. Et si c'est un bechor, alors c'est le Kohen qui pourra le manger. C'est clair ? Pour le moment, tout va très bien. Il y a des halakhot particulières, comment se comporter avec la viande qui appartient d'un bechor ou d'un maaser. On va prendre le cas du maaser. J'avais un animal maaser, maaser BMA, et donc, pour X ou Y raison, je ne pouvais plus l'apporter au Beth Amikdash, comme c'est le cas, par exemple, ça s'est mélangé. Alors, là, il y a une halakha particulière, c'est de le laisser paître jusqu'à ce qu'il va avoir le moum. Lorsqu'il va avoir le moum, j'aurai le droit de le manger. Mais lorsque tu vas le manger, il y a plusieurs restrictions. Tu n'as pas le droit de te conduire de manière grossière envers lui. Tu n'as pas le droit de le traiter comme si tu traitais de la viande qu'on vend dans une boucherie, que tu vas la vendre au kilo, que tu vas la vendre au marché. Tu la vends de manière très pudique. En allant voir ton voisin, tu lui dis « tu veux un peu de viande pour les fêtes ?» Tiens, prends un peu de viande et donne-moi comme ça, grosso modo, sans le peser aussi. On n'a pas le droit de le mettre sur une balance. Se comporter avec quelque chose qui est kadosh, c'est pas de la viande au kilo. C'est un maaser qui a une gdusha. D'accord ? Donc ça nous restreint à une manière de le consommer. Ok ? On apportera ensuite un petit détail supplémentaire. J'ai pas envie d'alourdir pour le moment. J'ai un intérêt à ne pas tout vous dire. Comme ça, au moins, ce que je vous ai dit, vous allez le retenir. Ce sera déjà pas mal. D'accord ? La Mishnah, donc maintenant, elle va me dire que, par exemple, tu as eu un korban shlamim qui s'est mélangé dans un bechor. Avec un bechor ou avec un maaser, ça revient au même. Allez, on va parler du bechor, jusqu'à maintenant on parle du maaser, on va parler un petit peu du bechor. Donc un shlamim, un bechor qui sont mélangés. Tu ne sais pas donc qui est le shlamim, qui est le bechor. Tu les fais paître jusqu'à qu'ils vont avoir un moum. Et alors là, la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, ça y est, ils ont eu tous les deux le moum. Tu vas maintenant prendre la valeur d'un seul des moutons. Tu vas transférer la gdusha du mouton kadosh, qui était shlamim, en disant que maintenant, ça s'est transféré sur l'argent. Cet argent, tu vas le prendre, tu vas l'acheter un shlamim. Et là, tu vas pouvoir manger les deux animaux qui sont devant toi, puisque le Bechor, maintenant, enfin, le donner au Kohen pour qu'il le mange. En fait, tu vas donner les deux au Kohen, tu vas pouvoir vendre au Kohen. Tu vas aller voir un Kohen, tu vas lui dire, écoute, maintenant, j'ai deux animaux devant moi, moi, je ne peux pas les manger parce que je suis Israël. Il y en a un des deux qui est Bechor, qui a eu un moum. Toi, tu es Kohen, je te vends la viande. Si tu veux, regarde, c'est des fêtes maintenant, tu reçois plein d'invités chez toi. Eh ben, je te vends le deuxième shlamim, tu le rachètes. Ok, tu le rachètes et comme ça tu prends, il va prendre les deux animaux, il va les manger chez lui à la maison, comme selon les règles de l'art, comme la Torah l'impose. Ok, pour le moment donc c'est très clair, et c'est ce que la Mishnah enseigne. Iru achista à vous, ils devront paître jusqu'à qu'ils vont avoir le moum, mais veyachelo kivchor ou chemaaser, ils seront ensuite consommés comme un bechor ou comme un maaser, en se comportant avec tout le respect dû à ce korban qui a été invalidé, qui a eu un moum, mais quand même. D'accord, c'est clair ? Tout va très bien. Il y a une petite nuance. Je préfère d'abord finir la Mishnah, comme ça, on part sur un mauvais souvenir que c'était dur la fin de la Mishnah. Non, je préfère d'abord... On a compris d'abord le principe de manger avec la gdusha. D'accord ? J'apporterai après un petit détail. Pour le moment, je finis d'abord la Mishnah très rapidement. « Akol yecholin leit arev, chutz mina chatat ou mina hacham. » La Mishnah m'enseigne une information très jolie, très sympathique, que tout, je peux avoir des problèmes de sfekot, de doute, de mélange entre tout type, toute espèce de korban qui va se mélanger, des shlamim avec des holot, des une hola avec un khatat, c'est pas exact, ça peut arriver, d'accord, ouais, une hola avec un khatat, une hola, mais sauf une chose, à une exception, un khatat et un hacham.
Un khatat et un sham ne peuvent jamais se mélanger. Pour quelle raison? C'est très simple. Si vous faites attention, regardez, ouvrez le livre de Bamidbar, alors vous allez commencer à ouvrir Bamidbar, Vaikra plutôt, et à marquer là-bas, Imola, Korbano, Minabakar, Zachar, Tamim, écrivez-nous. Une Ola, c'est toujours un mâle. Un shlamim, ça peut être un mâle ou une femelle. Donc ça veut dire qu'une Ola peut se mélanger avec des shlamim quand le Ola c'est un mâle. Si vous allez voir, maintenant vous allez voir que il y aura le khatat, qui sera toujours une kisba oseira, une brebis ou une chèvre, elle ne pourra jamais se mélanger avec un hacham, que le hacham sera toujours un ha'il. Un ha'il, c'est un bélier, et qui sera forcément grand. Donc de ce fait, les deux ensemble ne peuvent pas se mélanger. Il y a de quoi plus étaler amplement. On a traduit la Mishnah, je vais juste revenir sur un point important qui est quand même explicité dans le Barthénora. C'est d'expliquer un petit problème technique. En réalité, c'est plus le Barthénora et surtout dans le Sosium Tov, en fait. Ce qui se passe, c'est comme ça. En théorie, chaque fois que je suis podé, que je vais transférer la Kdusha de n'importe quel korban, je dois me comporter avec, ensuite, l'animal, me comporter avec beaucoup de respect et ne pas me comporter que grossièrement. C'est pas que le Bechor et le Maaser. En réalité, c'est même un Shlamim, par exemple. Même un Shlamim, une fois que j'ai été podé auto, j'ai pas le droit maintenant, imaginez qu'il y avait un Shlamim, je l'ai laissé paître jusqu'à ce qu'il a eu un moum, c'est une vache Shlamim, par exemple, un taureau Shlamim, et une fois qu'il a eu son moum, son défaut, j'ai racheté sa kdusha. J'ai pas le droit non plus de me comporter vulgairement avec lui, j'ai pas le droit de le faire travailler. Tisbar, Belogiza, il y a des halachot comme ça, je dois me comporter aussi avec beaucoup de dignité aussi et de respect, parce que c'est un ancien korban, il a gardé des restes de kdusha à l'intérieur de lui. J'ai le droit de le consommer, certes, mais je n'ai pas le droit de me comporter trop, indignement. Toutefois, j'ai une certaine permission de les vendre en boucherie et de les vendre au poids. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, il y a un intérêt pour le misbéar. Pourquoi? C'est très simple. Lorsqu'on va vendre, si on vend au kilo au marché, alors on va faire un bon business. Or, là, il s'agit de l'argent qui appartient, qui va revenir au Beth Amikdash. C'est-à-dire, une fois que j'ai le Korban Shlamim, qui a eu son défaut, alors, ce que je vais réussir à le vendre, ce sera son prix, et avec cet argent que j'ai récupéré, je vais devoir acheter un Korban. Imaginez que je dois le vendre timidement, en allant faire du tap aux portes chez mes voisins, s'ils ne veulent pas un petit peu de viande, en achetant grosso modo. On va se retrouver avec de la viande, qu'il y en avait peut-être pour 2000 shekels de marchandises de viande, je vais le vendre modestement à 1200 shekels, à 1000 shekels, c'est dommage. Alors là, j'ai une dérogation de me dire, mais tu sais quoi, va la vendre au marché, crie à tous qui veut acheter de la bonne chair, et vends-la au prix au kilo, en la pesant, en donnant exactement à chacun, comme ça tu vas gagner 2200 shekels peut-être, et apporter avec tout ça un autre korban. Il n'est pas question de faire perdre ce qui revient au Beth Amikdash. D'accord? Ça c'est pour les autres korbanot. Mais la Mishnah, en fait, quand elle m'a dit que si ça s'est mélangé avec un Bechor et un Maaser, par exemple, donc j'ai eu mon Shlamim qui s'est mélangé avec un Maaser, alors maintenant, là j'ai un problème. Certes, le shlamim, lui, on va te dire, bon, t'as le droit d'aller le vendre au marché. Mais le bechor ou le maaser, lui, ils n'ont pas le droit de partir au marché. Et il n'est pas question de se conduire avec mépris avec le bechor et le maaser pour pouvoir faire gagner de l'argent au Beth Amikdash pour le shlamim. Sur ça, la Mishnah dit, ben, dans ce cas-là, tu les vends en grosso modo, comme ça, et puis tant pis pour le shlamim, mais il n'est pas question d'être mesalzel en le chat du bechor du maaser. C'est ce que la Mishnah est venue me dire quand elle m'a dit Veyachelo kivchor ou kebaaser, que je devrais maintenant me comporter avec les deux ou les trois, avec les trois mélangés, me comporter avec dignité et les vendre comme le bechor et comme le maaser. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.